Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club. Nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est jour de partie Joker à vocabulaire courant. Donc, je rappelle que les parties sont déclinées en 3 temps, hein, enfin en trois versions. Une version en 2 minutes par coup qui est diffusée pour la première fois à 10 h. Une version en 3 minutes par coup à 14 h et une version en 1 minute par coup en blitz à 20 h. Et puis une fois que ces premières diffusions sont terminées, eh bien, les parties sont disponibles à tout moment sur la chaîne Duplicate Club à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc je rappelle le principe de la partie Joker. On a un Joker à chaque coup. Dans le top, le Joker, si on l'utilise, c'est le cas 99% du temps. Le Joker remplace une lettre. On va chercher cette lettre dans le reliquat. On la pose sur la grille à la place du Joker. On récupère le Joker. Et puis, de ce fait, on a le Joker pour le coup suivant. On garde le Joker comme ça à chaque tirage jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. C'est-à-dire quand la lettre qu'il est censé remplacer n'est plus disponible dans le reliquat, auquel cas on laisse le Joker sur la grille comme en partie normale. Et puis on prend le deuxième Joker jusqu'à ce qu'on soit confronté à la même situation, c'est-à-dire que la lettre remplacée n'est plus disponible et on termine la partie normalement. Voilà. Et puis c'est une partie à vocabulaire courant, c'est-à-dire que j'ai choisi des tirages et des tops, enfin surtout les tops, qui soient de vocabulaire accessible pour la majeure partie des joueurs, des personnes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de la partie Joker et de la chaîne. Ah oui, si, à la fin de la partie, comme d'habitude, hein, le décodage, c'est-à-dire qu'on passe en revue les coups de la partie pour voir les autres solutions au top, les sous-tops. Pendant toute la partie, en fait, je ne donne aucune indication. C'est comme si on jouait dans une vraie compétition ou dans un vrai club, une vraie partie. Aucune indication, les temps sont respectés, l'épellation est respectée, les prononciations sont respectées. Alors, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, hein, mais voilà, j'essaie de faire comme si c'était une vraie partie officielle. Et puis, les commentaires viennent après, dans un deuxième temps, pendant le décodage. Et là, on voit les isotopes, les sous-topes, les définitions des mots peu courants. Alors là, il n'y en aura peut-être pas beaucoup parce qu'on est sur une partie à vocabulaire courant. Donc, essentiellement, ce seront les autres solutions ou les mots qui découlent de certains tops. Et puis, troisième temps du décodage, les potentialités des tirages, à savoir les solutions possibles en 7, 8 et 9 lettres parfois, que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant le temps du décodage. Voilà, je vous ai tout dit cette fois-ci et on va pouvoir démarrer cette partie à vocabulaire, cette partie Joker à vocabulaire courant que je vous souhaite bien agréable. Alors, vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous prenez bien sûr votre premier joker, lettre blanche. Norvège, N. Égypte, E. Océanie, O. Jordanie, J. Roumanie, R. Et Danemark, D. Vous jouez avec Joker, Norvège, Égypte, Océanie, Jordanie, Roumanie et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 94 points. Le Joker est remplacé par un I d'Italie. Horizontalement en H4, nous posons Joindre. J-O, I d'Italie qui remplace le Joker. N, le D sur la case centrale. R, E. Joindre H4, ça fait 94 points. Au reliquat, aucune lettre après ce Scrabble. Vous reprenez le premier Joker. Et puis Égypte E, Roumanie R. Égypte E, c'est le deuxième. Italie I. Océanie O. Et Luxembourg L. Vous jouez avec Joker, Égypte deux fois, Roumanie, Italie, Océanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. « 78 points. » Le Joker est remplacé par un C de Canada, verticalement en 5 E. Attention à la place, hein, c'est sur les deux cases roses. Sur le O de Joindre, nous descendons Colorier. Le C de Canada qui remplace le Joker. O, L, le O de Joindre. R, I, E, E. Colorier. 5E, C-O-L-O-R-I-E-E, ça fait 78 points. Aucune lettre au reliquat. On a toutefois toujours le premier Joker que l'on accompagne de Italie I, Grèce G, Égypte E, Suisse S, Uruguay U, Xénophon X. Vous jouez avec Joker, Italie, Grèce, Égypte, Suisse, Uruguay et Xénophon. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 82 points, horizontalement en I9, en partant de sous le R de joindre et en utilisant le joker comme un E d'Égypte, enfin en remplaçant pardon, le joker par un E d'Égypte, nous plaçons Exigu, E, X, I, G, U, le joker remplacé par un E d'Égypte, et S. Au passage, nous formons Ré, RE, et X, EX, avec les deux dernières lettres de joindre. Exigu, I9, ça fait 82 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours le premier joker et on prend également Venezuela, V, Uruguay, U, Tunisie, T, Portugal, P, Italie, I et Grèce, G. Vous jouez avec joker, Venezuela, Uruguay, Tunisie, Portugal, Italie et Grèce. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 39 points. Attention à la solution choisie. Verticalement, en 15D, nous allons prendre un O d'Océanie pour remplacer le joker. Terminer sur le S de exigu avec pivot. P, I, V. O d'Océanie pour remplacer le joker. T et le S de exigu. Pivot. En 15D, ça fait 39 points. Un reliquat de deux lettres, Grèce et Uruguay. On reprend le premier joker. Italie, I, Tunisie, T, Danemark, D, et Suisse, S. Vous jouez avec Grèce, Uruguay, joker, Italie, Tunisie, Danemark et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 70 points. Attention à la solution choisie. Le joker est remplacé par un A d'Algérie. Et attention à la place également, horizontalement en L4. En L4 sur le deuxième E de Colorier. Nous posons déguster. D. Le deuxième E de Colorier. G. U. S. T. Le joker remplacé par un A d'Algérie. Et le I final. Déguster, D-E-G-U-S-T-A-I en L4. Ça rapporte 70 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. On a toujours le premier joker. Et voici Algérie A 2 fois. France F. Yougoslavie Y. Roumanie R. Et Portugal P. Vous jouez avec Joker, Algérie 2 fois, France, Yougoslavie, Roumanie et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 52 points. Verticalement, en 14i, le joker est remplacé par un F de France. En partant du deuxième E de Exigu, nous descendons Éfreya. E, F. F de France pour remplacer le joker. R, A, Y, A. Éfreya, E2F, R, A, Y, A en 14i. Ça fait 52 points. Reliquat, une lettre Portugal que vous rejetez. Donc vous rejetez le P. On reprend le premier joker. Et Norvège N. Québec Q, Québec, Algérie A, Égypte E, Uruguay U 2 fois. Vous jouez avec Joker, Norvège, Québec, Algérie, Égypte et Uruguay 2 fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Attention à la solution choisie horizontalement en J1. Le joker va être remplacé par un T de Tunisie. Nous posons sur le I de Colorier, donc Nautique. N, A, U. Le joker remplacé par un T de Tunisie. I de Colorier. Q, U, E. Nautique en J1. Ça fait 82 points. Au reliquat, aucune lettre. On reprend le premier joker. Italie, I. Belgique, B. Norvège, N. Roumanie, R. Tunisie, T. Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Italie, Belgique, Norvège, Roumanie, Tunisie et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 140 points. Attention à la solution choisie. Nous allons jouer horizontalement en O8 sur le deuxième A de Éfreya avec un H de Hongrie pour remplacer le joker. Hiberna. H donc qui remplace le joker. I, B, E, R, N, le deuxième A de Éfreya. Et T, Hiberna, H-I-B-E-R-N-A-T, en O8, ça fait 140 points. Aucune lettre après ce Scrabble, on reprend le premier joker. De même que Algérie, A. Suisse, S. Algérie, A, deuxième. Égypte, E. Luxembourg, L. Égypte, E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie deux fois. Pardon, Joker, Algérie deux fois, Suisse, Égypte deux fois et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Le Joker est remplacé par un L de Luxembourg. Ça se passe verticalement en 12 E. On appuie sur le G de Exigu et de façon à mettre un S au bout de Déguster, nous descendons Alléja. A, L de Luxembourg qui remplace le Joker. L, E, G de Exigu, E, A, S. Le S venant transformer Déguster AI en Déguster AIS. Alléja. 12 E, ça fait 90 points. Rien au reliquat. Après ce Scrabble, on récupère toutefois le premier Joker. Et puis Zambie Z. Maroc M. Suisse, S. Égypte, E. Maroc, M, c'est le deuxième. Océanie, O. Vous jouez avec Joker, Zambie, Maroc deux fois, Suisse, Égypte et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 88 points verticalement en 2F, en appui sur le A de Nautique et en utilisant un O d'Océanie pour remplacer le Joker, nous descendons Zoumam Z, O d'Océanie pour remplacer le Joker, le deuxième O, M, le A de Nautique, M, E, S. Zoumam en 2F, ça fait 88 points. Aucune lettre au cas après ce Scrabble. Le Joker numéro 1 est toujours là. Et voici Égypte E, Luxembourg L, Uruguay U, Égypte E deux fois, ce qui vous en fait 3, et Suisse S. Vous jouez avec Égypte 3 fois, Joker, pardon, je recommence. Vous jouez avec Joker, Égypte 3 fois, Luxembourg, Uruguay et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 71 points. Le Joker est remplacé par un C de Canada, verticalement en 13A à droite des premières lettres de Alléja. Nous descendons Écluser. E, C de Canada qui remplace le Joker, donc. L, U, S, E, E. Le S forme As et les deux E forment le deux fois avec les lettres de Alléja. Écluser 13A, 12A, pardon, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 13A. Écluser 13A, ça fait 71 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici de nouveau le Joker, le numéro 1 qui est toujours là. Tunisie, T. Luxembourg, L. Algérie, A. Maroc, M. Norvège, N. Et Italie, I. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Luxembourg, Algérie, Maroc, Norvège et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 140 points. Le Joker va rester sur la grille horizontalement en A8. Donc le Joker va rester sur la grille pour remplacer un G de Grèce. Horizontalement en A8, on appuie sur le premier E de Écluser. Sur les deux cases rouges, nous posons Ligament, L, I. Le Joker qui remplace un G de Grèce et qui reste sur la grille. A, M, E, N, T. Ligament A8, ça fait 140 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble qui a mangé le premier Joker. Et donc on prend le deuxième Joker, ainsi que Tunisie T, Hongrie H, Danemark D, Uruguay U, Égypte E, Italie, I. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Hongrie, Danemark, Uruguay, Égypte et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 44 points et sans utiliser le joker, verticalement en 1L, en partant à gauche du E de Zoumam, nous descendons 8 H, U, I, T. Le H forme HE, H, E, et le U forme US, US avec les deux dernières lettres de Zoumam. 8, H-U-I-T en 1L, ça fait 44 points. C'est mieux si je l'affiche à l'écran, on est d'accord, hein, voilà. Alors, au reliquat, 3 lettres, Danemark, Égypte et le deuxième joker. On ajoute Norvège, N. Roumanie, R. Algérie, A, et Portugal, P. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Joker, Norvège, Roumanie, Algérie et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 78 points. Attention à la solution choisie. Le joker va être remplacé par un R de Roumanie, horizontalement en B2. Pour atterrir sous le L de ligament, nous posons Prendra, P, R, E, N, D. R de Roumanie qui remplace le joker et A qui forme l'A avec le L de ligament. Prendra, B2, ça fait 78 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On récupère le joker. Et puis Venezuela, V. Norvège, N. Algérie, A. Suisse, S. Égypte, E. Et Océanie, O. Vous jouez avec Joker, Venezuela, Norvège, Algérie, Suisse, Égypte et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie Joker à vocabulaire courant s'élève à 68 points. Le Joker remplace un I d'Italie, horizontalement en N3. Pour coller au-dessus des premières lettres de Hiberna, nous posons Évasion, E-V-A-S. Le Joker qui remplace un I d'Italie, O-N. Le O forme O, OH, et le N forme NI, NI avec le H et le I de Hiberna. Évasion N3, ça fait 68 points et ça termine cette partie en 15 coups sur un top cumulé de 1216 points. Voilà, belle partie, rapide, beau score, forcément, hein, les parties de Joker, ça dépote un peu, souvent. Et puis, on va décoder tout ça tout de suite dans le détail. Allez, jingle. Alors, je vous rappelle, décodage en 3 temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes, les principaux sous-topes. Deuxième temps, définition des mots peu courants. Donc là, comme c'est une partie à vocabulaire courant, il s'agira principalement des sous-topes et isotopes. Et puis, troisième temps, les potentialités des tirages, à savoir les solutions possibles en 7, 8 ou 9 lettres. 9 lettres, pas toujours, hein, mais de temps en temps, je fais la recherche, que nous n'aurions pas vu pendant la partie, ni même pendant le premier temps du décodage. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes voilà, qui défilent. La première, c'est en lien avec des mots de la partie voilà, que je trouve important de connaître, notamment joindre, qu'on peut prolonger par l'avant avec 5 préfixes différents, ad, en, re, en 2 lettres, et conjoindre et disjoindre en 3 lettres. Et puis pareil, je vous ai mis colorier, alors coloré, colorier, colorisé, et il n'y a que décoloré. Donc il n'y a que coloré qui admet un préfixe. Donc il n'y a pas de décolorier ou de décolorisé, si jamais un jour vous vous posez la question. Enfin, en tout cas, en l'état actuel de l'officiel du Scrabble, il n'y a que 4 verbes qui contiennent C-O-L-O-R. Alors, et puis la ligne du dessous, ben là c'est des mini-listes hein, en général, des points de vocabulaire ou des choses comme ça. Et là c'est par rapport au verbe, qu'est-ce qu'on a eu comme verbe? Zoomer. Voilà, je me suis dit, je vais regarder les verbes qui commencent par Z et jusqu'à 7 lettres à l'infinitif, il y avait de quoi remplir une ligne, donc c'est fait. Et puis vous noterez que... Donc ils sont tous ont le participe passé variable, hein, à l'exception de zézéyé, zouké, zozoté et zoinzé. Voilà. Donc vous notez que ce sont les verbes qui contiennent une deuxième lettre chère, qui ont le participe passé invariable, exception faite de zioté qui s'écrit à la fois avec un Y ou avec un I. Donc si vous voulez retenir quelque chose, là vous dites, bah, tiens, si on écrit le verbe avec une deuxième lettre chère et qu'il n'y a pas d'autre graphie possible, sans la lettre chère, en l'occurrence dioté avec i ou y, eh bien, pour les autres cas, deuxième lettre chère, ça veut dire que le verbe a un participe passé invariable. C'est un moyen mnémotechnique, hein, ce n'est pas une règle absolue, mais zézé, yézouké, zozoté, zoinzé ne s'écrivent pas et eux. Voilà. Et puis les autres verbes défilent, hein, zapper, zébrer, zéroter, zester, zioter avec un i ou un y, zinguer, zipper, zoner et zoomer. Voilà, je vous ai tout dit, on passe au décodage maintenant. Donc au premier coup, un seul Scrabble à 91,14 hein, qui plaçait le J, joindre, pas d'autre solution, donc ça peut être difficile si on ne le voit pas, même si le mot est courant. Sous top 42 avec Jardon ou Yodlé, Borj est à 40, tout comme Jarde ou Yodel et Yodle. On verra les définitions tout à l'heure. Le coup suivant, alors un seul quadruple possible sur ce coup, Colorier et E. Sous top A77 en triple avec le D, donc défolier, déméloir, dévoiler, dolerier, drôlerie. Voilà, tout ça, ça commence par le D, ça va jusqu'au triple, et du coup, ça fait 77. Et puis sinon, ailleurs, oiselé ne fait que 65, et colorier et eux, mal placé, 64. Oreille, étiolé, ça fait 63, 62. Étiolé, étoilé, bien sûr. Écolière, jolière, îlotière, il y a plein de choses. Hein. Œillère, oiselier. Oliverie, poêlerie, poêlière. Voilà, tout ça. Il y en a plein. Alors, ensuite, le coup suivant. Exigu qui faisait 82. Alors, si on plaçait mal le Joker, on pouvait perdre bêtement 3 points hein, en compétition. Sous top soigneux à 71. Saigneux à 70. Saigneux, soigneux, même... Même prix en 7D. 10 joindre, donc c'est le top sans scrabler, hein, 51 points. Xème à 48 en L1 et puis en 4L, quelques solutions en 46 points qui placent le X sur la case bleue et qui double le mot. Le coup suivant, alors là on ne scrable pas, on a pivot, joker O en 15D avec le P qui double et le mot qui triple, et on a également 20 au pluriel, alors 20 s'écrit avec un S uniquement dans le nombre 80 quand il n'est pas suivi d'un autre chiffre, donc 80 ans, mais 82, dans 82 il n'y a pas de S au bout de 20. Donc ça faisait 39 aussi, et puis c'est à cet endroit-là qu'il y a pas mal de solutions, à 30 notamment, guipa, guip, pitou, putois, pive va faire 27, pégué en 14H avec le G qui double et le mot qui... le G qui triple, pardon, et le mot qui double, ça fait 26, épouti même place, 26, vu en pivot, 26, évagi en 4L avec le V en pivot sur une case rose, 26 aussi. Voilà, on verra tout à l'heure s'il y avait des appuis, mais je ne crois pas, ça ne me parle pas ce tirage. Alors là, on a joué déguster, pour le même score, on avait déguisa ou dégluti, même place, hein. Donc même place, même score. Dégluti, alors tout ça, ça passait également la ligne du dessus en K4 pour 2 points de moins, puisqu'on n'a pas, la lettre double. Voilà, et puis après, bah, c'était les seules possibilités de scrabler en fait. Hein. Ensuite, on a 10 joindre à 54, digest à 25 qui met colorier au pluriel, susdit pareil. Alors ici, ça scrable pas. Le F qui triple, le mot qui double, ça fait grimper le score à 52 points, parce qu'on a le Y hein, surtout. En 14i, donc sous top à 51, un mot triple, Phaseia. Donc le verbe phaseyer, on verra la définition tout à l'heure. Tipa fait 50 pour faire déguster AIT et doubler dans les deux sens. Et gay au pluriel ou psy, même place, ça fait 46. Alors ici, on a joué nautique. Pour le même score, on avait même place phonique et anurique. Et puis en E5, en mot compte double, schnequer, du verbe schnequer, on verra la définition tout à l'heure. Donc tout ça faisait 82. En J1, on avait également uranique à 80 points tout rond. En E8, en suqué 78. Énuquant. Je vais vous l'ajouter celui-là. Je ne l'avais pas mis. Énuquant, donc 66. En caca, en suca 63. Etc. etc. Le tirage, le coup suivant. Alors là, on a joué Hiberna en bas parce que ça ouvrait un peu mieux à mon goût. Égalé à cette place-là par Centibar, Joker C. Et puis sinon, il y a Béniron, Binaire, Bineron et Bénir qui sont un petit peu plus accessibles là en 1H sur le N de Nautique. Joker E, Joker O, etc. etc. Donc on a joué Hiberna et c'était les... Voilà, c'était pour les possibilités de nonuples. Et ensuite, on avait 92 points avec Bridge ENT qui faisait déguster AIT. Voilà. Alors, justement, on va jouer à cet endroit-là, cette fois-ci. Alléja, donc qui m'arrête à déguster. Les deux mots doubles, donc ça fait un score élevé, hein, 90 points. Alzan, sous top à 74 en 1E, en mot triple. Même place, enfin même appui. Aminsal. Mélena, et puis en N2, donc qui forme EH, plusieurs solutions, ou AH, Alésé, Alésage, Alézera, Réalésa, et puis en 6A, Réalésé, qui colle sur 3 lettres, fait également 71. Alors, ce coup-là, il est difficile parce qu'on est tenté de chercher le Scrabble sec, de placer sommet ou le I sommier ou sur un I, sur un E ou un R sommeré, assommer sur un S ou un A. Et il n'y en a pas, tous ces appuis-là ne sont pas disponibles, donc c'est compliqué. En général, le Z et le E, on les met à la fin des mots. Et c'est pour ça que Zoumam, c'est assez difficile. Alors, le verbe est de vocabulaire courant. Mais la construction passée simple là est difficile justement. Et donc sous top qui limite la casse, hein, avec le Z qui double et le mot qui triple, mener, miner, ça fait 72. Sonner pareil, orner, zoner, joker Z 69. Et puis en 1J, nommer, le M qui double, le Z, ça fait 57 dans le mot qui grâce au mot triple en fait. Ensuite... Alors, pas beaucoup de places intéressantes, hein, mais elles sont toutes les deux utilisées pour scrabbler. Donc on a N3, hein, en finissant par ES, il y a plein de solutions à 65 points. Réélu, meulé, légué, éteul, émulé, éculé. Et puis en 13A, la seule possibilité de placer un mot ici, c'est de terminer en SEE avec écluser pour le top donc. Le coup suivant, alors là on a, si on fait ENT, alors c'est pas les verbes, mais bon, si on cherche MENT, on cherche en ment, ligament, filament, ça peut se trouver avec le M bien placé, mais sinon AIENT ou E, ou sans forcément placer le N sur la case bleue, le M sur la case bleue, on a 131 points avec d'autres nonuples, donc lamé, AIENT, lamine, limé, maille, quoi d'autre, miaule, mêlée, etc. etc. Et puis après, d'autres solutions à 77, alimente, implanté, mantille, matinale, smaltine, etc. etc. Le coup suivant, alors pas de A pour ni de B pour habitude, Thibaut, dont on va voir tout à l'heure s'il y a d'autres appuis, d'autres potentialités de Scrabble avec ce tirage. On a joué 8 à 44, évidemment, comme on n'utilise pas le joker, si on l'utilise, on perd 3 points avec 1, heure, UE, UA, etc. Enfin, voilà. Plein de solutions. Et puis en 6D, on a DA, DAH à 30 points, de même que EEH. Alors là, on s'approche de la fin. Un tirage assez riche. Hein. Épandra, du verbe épandre. Alors attention, hein, épandre, ça s'écrit avec un A comme répandre. Et donc du coup, on a Peindra. Ah, en fait, tout ça, ça place le dé. C'est pour ça que ça fait un peu plus que les autres solutions. Ça place le dé sur la case bleu foncé. Et on est sur un mot qu'on double. Donc on est à 78 avec épandra, épandre, peindra. Et puis sinon, panarde, pénarde, pondéra, répande, en B2, tout ça, ça fait un peu moins. Ça fait 74, répandu 73, pandore 70, pondérable en 10 lettres, c'est magnifique. Ça fait 66, n'est pas assez cher payé comme on dit. Et donc le coup suivant... Donc on a joué, on a retenu évasion pour la forme, hein, c'était le dernier coup, donc il n'y avait aucune espèce d'enjeu à choisir une solution plutôt qu'une autre. Il y avait en N3, il y avait 7 possibilités de marquer 68 points, envola, envoya, novam, novat, novera, renova et évasion. Avoine, mettez le joker sur la case bleue, donc ça faisait moins 66. Décavon, encavon, esclavon, recavon, excavon. En E3, tout ça, ça fait 62. Et puis également, on pouvait jouer conjoindre à 51. Voilà, donc on a terminé le passage en revue des coups de la partie. Maintenant, on va passer aux définitions. Donc, je vous les affiche là dans l'écran, dans le rectangle vert à gauche, sans forcément qu'elles soient dans l'ordre par rapport à la partie. Hein. Je les ai mises un peu... donc je prépare et puis je rajoute au fur et à mesure sans forcément respecter l'ordre d'apparition dans la partie. Et puis je vous en donne lecture également. Alors, on a eu... Oui, vous voyez, je commence déjà par la fin, donc pratiquement. Hiberner, alors faites très attention parce que hiberner signifie passer l'hiver en hibernation, donc c'est un verbe au participe passé invariable, hein, c'est l'oiseau hiberne, l'ours hiberne, mais on n'hiberne pas quelque chose. En revanche, le fermier, lui, va hiverner ses vaches, par exemple, c'est-à-dire les mettre à l'étable pour l'hiver. Donc hiverner, lui, est un verbe transitif direct. On peut hiverner, on peut avoir, on peut écrire hiverner EE ou EES sans souci, tandis que hiberner, non, c'est pas possible. Et hiverner est à rapprocher de estiver, qui est lui aussi transitif, et qui signifie mettre en pâturage pour l'été, donc c'est la même chose, sauf que c'est le pendant pour la belle saison. Et donc hiverner et estiver sont tous les deux transitifs directs. Voilà. Alors jardon, c'était la même chose que jarde. La jarde étant une tumeur au jarret d'un cheval. Défolier, détruire une végétation de façon artificielle. Phaseyer, alors qui s'écrit EI2LER ou EYER, participe passé invariable. En marine, c'est battre au vent en parlant d'une voile. Alzan, Alzan, un cheval dont la robe est jaune rougeâtre, c'est un adjectif et un nom. Yodlé, qui s'écrit avec un I, un J ou un Y, qui équivaut à Youlé, IOULER, vocalisé sans parole. Borj, un petit fort arabe. Un déméloir, c'est un peigne à larges dents. Dolé signifie amincir en parlant du bois ou d'une peau. Guipé veut dire torsader ou entourer un fil électrique d'un isolant. Déglutir avec. Schnequer en Suisse, avec ou sans S, signifie fouiner. Phonique, relatif à la faune. Centibar, centième partie du bar, ancienne unité de mesure de pression. Amensal, végétal, donc c'est un adjectif, un végétal inhibé par les sécrétions d'une autre plante, d'accord. Mélena, c'est une définition absolument ragoûtante, donc avec ou sans A, M-E-L-A-E dans la N-A ou M-E-L-E-N-A avec des accents sur les E, émission anale de sang noir, superbe. Étel, chaume restant après la moisson. S'énuquer en Suisse signifie se casser la nuque. Et je crois qu'on a tout vu. Alors on va rester sur hiberner. Voilà. On aurait bien envie d'hiberner là en ce moment. Je sais pas vous, mais j'aime pas l'hiver. Bref, voilà, donc ça c'est terminé pour les définitions. Maintenant on va passer aux potentialités des tirages. Donc on change d'affichage. Et voilà, donc au premier tirage, on avait Joindre en main, et puis en appui, on aurait pu jouer Journade, Joindre, Journade ou Joindre, c'est tout, pour les 7 et 8, et en 9 lettres. Alors, je regarde ce qu'il y a d'intéressant, hein. Jordanien, adjoindre, alors beaucoup de conjugaisons, notamment Jobarde, Je rejoindra, Yodler. Ok. On zappe, il y en a trop. Beaucoup trop de solutions, là, on peut pas, c'est pas intéressant. Alors là, eh bien, on avait tout sauf glaiseux. Et en 9 lettres, on ajoute graisseux, exiguïté, gnaisseux, G-N-E-I-2-S-E-U-X, spongieux. Et donc, graisseux, on l'a dit. Alors là, rien en 7, rien en 8, et en 9, purgative. C'est splendide. Après le Mélena, là. Alors là, on a tout vu, sauf duitage, godite, guidate, turgide. Allez, je ne mets pas les 9 parce qu'il y en aura trop. Fair play sur un I ou un L, je me disais bien que ce tirage me parlait un peu, je pensais à pyroflamme, mais c'est pas tout à fait ça, à Faraday. Non mais il y a fair play sur un I ou un L, ça ça fait très très mal, hein. Et puis en 9 lettres, il n'y a que le pluriel. Alors là, on a a priori tout, enfin non pas tout, mais alors éducant quinode on n'a pas vu, sur le I on a tout vu, Roc, ENT, canteur, queutant, du verbe queuter, et c'est tout. Il y en a trop, je zappe. Alors, là c'est pareil, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de conjugaisons. Bon. Le plus joli c'est azaler, voilà. Alors, ben ça, je l'ai oralement, on a tout vu, si j'ose dire. Donc, sommier, assommer, sommerer. Et ça ne passait pas. Et en 9 lettres, ben on aura les variantes. Hein, assommier, sommerier, consommer, mémoriser, surnommer. Et c'est tout. Là, c'est pareil, beaucoup de solutions, donc je zappe, car s'il n'y a pas des uniques, un peu, peut-être, jumelés, ouais. Séquelles sexuelles, c'est marrant, parce que c'est... Enfin, c'est marrant. C'est un mot, on appelle ça des cousins, avec une lettre qui change. Et là, c'est la lettre chère. Le Q qui devient X, expulsé également. Alors là, c'est pareil, beaucoup, beaucoup de solutions, beaucoup de conjugaisons, donc c'est pas très intéressant. Terminal malnutri. Manitol. Alors ici, bah, ah oui, donc habitude Thibaude et humidité. Et en 9 lettres, la même chose au pluriel, plus oula, tchadique, idatique, diathèque, des conjugaisons, tropidé, on va vérifier. Voilà, oiseau type Tangara. Pteridium. C'est beau. Des beaux tirages, hein, les 7+2 parfois. Oula, il y en a trop. Pinsarde. Dépanner, pardonner. Pondéral, pélardon, plaindre, déplaner. Ouais, beaucoup, beaucoup de solutions. Alors ensuite, et là on est sur le dernier coup, bah c'est pareil, il y en a plein. Savonner, plein qu'on a, quelques-unes qu'on a vues, puis en appui, on n'avait pas trop de possibilités, enfin si quand même. Voyance, javelon, du verbe javeler. Voilà, Véronal, V-E-R-O-N-A-L-S au pluriel. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé hein, pour ce décodage, cette partie. Je vous remercie d'avoir de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à parler de la chaîne autour de vous. On est 530 abonnés là. J'ai un objectif, on a un objectif à 1000. On devrait pouvoir les atteindre, donc voilà, votre aide est la bienvenue. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.